bien cette nouvelle journée. Nous, on a un peu plus la forme que hier. Notre ami hier soir sur Playa, il nous a dit que il viendrait ce matin avec le mécano. Il irait directement le chercher chez lui pour l'amener directement chez nous. Et il nous a dit surtout, vous ne le lâchez plus. Genre, où qu'il aille, vous y allez aussi, comme ça vous êtes sûr. Donc ce matin, il est bienvenu. Valentin est du coup parti avec lui parce qu'il lui a dit en gros, parce que Valentin maintenant sait ce qui va pas, il sait que les démarreurs que le gars avait mis avant n'étaient pas les bons et pas adaptés au moteur. Voilà, voilà, donc il savait exactement ce qu'il fallait comme démarreur, mais il n'arrivait pas à se faire comprendre ici parce que du coup on a un combi, mais le moteur, ou du moins la partie qui adapte entre le moteur et le démarreur, n'est pas adaptée. Ça ne doit pas être une pièce d'origine du combi, puisque quand il avait mis un démarreur d'origine, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est que ça n'était pas d'origine. Sauf que quand lui, il allait dans le magasin, les vendeurs lui demandaient tout de suite bah, « qu'est-ce que vous avez comme véhicule ?» Et il répondait un combi, et on, du coup on lui proposait que des modèles adaptés aux combis. Sauf que c'était que des modèles qui n'étaient pas adaptés à notre moteur, voilà. Et il ne savait pas à quel véhicule correspond le moteur qu'on a du coup. Donc il nous fallait vraiment un mécanicien. Donc ils y sont allés ce matin, normalement ils ont trouvé ce qu'il faut. Là ils vont normalement rentrer, on ne sait pas trop quand. Mais voilà, pour monter le démarreur, et du coup normalement ça devrait être bon. Moi, tant que c'est pas fait maintenant, je reste dubitatif, j'attends de voir. Mais bon, normalement, on a fait en sorte de rendre la chambre d'hôtel du coup. On a tout vidé. Là, avec Liam, on va aller à la plage tranquillement, profiter un petit peu de la journée tous les deux. Parce que voilà, hein, faut bien un petit peu profiter, parce que bon, on va pas passer nos journées à attendre. Donc voilà, on espère que cette fois, ça sera la bonne. Hein. Franchement, faudrait parce que... Mais le pire dans tout ça, c'est que je vous disais au départ qu'on avait deux problèmes, la panne et les papiers, et que les papiers, ça devrait vite se régler. Mais la vérité, c'est qu'on n'a toujours pas les papiers. Donc en gros, là, en vrai, même si le van est réparé, on ne peut toujours pas sortir de Playa, normalement. Voilà. Même si, bon, en vrai, on est sorti l'autre jour, on s'est fait contrôler par la police, et ils ne nous ont pas demandé les papiers, en fait. Hein. Ils recherchaient que de la drogue, des choses comme ça, mais ils regardaient pas les papiers. Enfin bon, allez, c'est parti, on va aller à la plage et on va passer un bon moment avec Liam. Allez, je vous emmène avec nous. Retour dans le van. Est-ce la bonne ou pas? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, du coup, Valentin a bien pu changer le démarreur avec le bon démarreur cette fois-ci, puisque, bah, comme je vous expliquais, le moteur ou une pièce du moteur du moins avait dû être changée. Normalement, c'est du 1600 et en fait, ils avaient dû mettre du 1800 à la place et du coup, il fallait un démarreur de 1800 et non pas de 1600. Ce qui fait que quand le mécano avait changé le démarreur déjà avant qu'on achète le van, en fait, il avait changé le démarreur, il n'avait pas mis la bonne pièce, enfin, pas mis le bon démarreur. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il remettait un démarreur, ça recassait. Du coup, bah, heureusement que Valentin a été voir en dessous, etc., pour comprendre ce qui allait pas et du coup pouvoir comprendre que c'était pas le bon démarreur. Bref, du coup, là, il a réussi à se faire comprendre et on a eu le bon produit. Ils l'ont mis, ça démarre très bien. Ils ont également retrouvé le boulon qui manquait. Et maintenant, on a quand même perdu les mécanos parce qu'il leur manque des... C'est quoi, des vis ? Du moteur. Ils sont partis, un vis, ils sont partis les acheter il y a une heure et ils ne reviennent pas. Oui, il y a quasiment deux heures. On a essayé d'aller au magasin, voir si on les retrouvait, on a essayé d'aller chez lui, à leur garage, enfin bon, arrête Liam.
Hein? Si tu veux dire des choses, tu peux. Une petite frimousse d'amour, ouais. Donc voilà, mais bon, au moins on peut rouler, c'est déjà pas mal. Et ça, c'est cool. Pour combien de temps? Ça, on ne sait pas par contre. Hein? À ton avis, est-ce que tu crois que cette fois c'est bon, il est vraiment réparé le van? Ouais, tu penses que oui, toi? Oui. Ah. Bon, par contre, on n'a toujours pas les papiers et on ne les aura pas avant au moins un ou deux jours. Mais au moins, on peut bouger et on va pouvoir se trouver un petit endroit pour cette nuit. Et ça, c'est cool. Yeah. C'est pas grave. Allez. Ça le filme encore. J'espère que tout va bien se passer. On touche du bois? On touche de la peau de singe? Bref, bon, vous allez pas le croire. Je pense qu'on va finir par croire ce qu'on fait exprès, tellement c'est gros et que ça a l'air d'un sketch. C'est-à-dire que là, nous sommes à nouveau en panne. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Mais cette fois, ce n'est pas le problème de démarreur. C'est un autre problème. Lequel on ne sait pas, mais c'est sur le moteur. Cette fois, c'est le moteur. Voilà. Là, je ne sais même pas quoi vous dire de plus. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Bon, qu'est-ce qui nous fait encore ce moteur? Qu'est-ce qui nous fait encore? C'est un sketch. Hein? Ouais. C'est-à-dire que là, c'est un nouveau problème qui vient pile quand on a réglé celui d'avant. À chaque fois, c'est pareil. Dès qu'on règle un problème, dans la même journée, il y en a un autre qui se déclare. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'on comprenne, franchement, là. Je sais pas. Là, franchement... Alors, ce qu'on avait compris, c'est qu'il faut qu'on apprenne à se débrouiller par nous-mêmes, parce que si on compte sur les autres, il n'y a rien qui se passe. Et il n'y a rien qui se règle. Mais là... Bon, du coup, Liam s'occupe, il se prépare du poivron. Avec toi. Ouais. Bon. Ça va, on s'est fait dépanner à distance par le cousin de Valentin qui est mécano. Comme quoi, quand on se débrouille par soi-même, ça marche vachement mieux. Du coup, c'est bon, on arrive à redémarrer. Apparemment, ça serait juste les bougies à changer. Donc, ça démarre. Donc, on va directement de ce pas aller acheter de nouvelles bougies. On savait pas quoi faire de notre fin d'après-midi. Du coup, impeccable. Et comme on sait pas lesquels il faut, puisqu'on sait pas exactement si c'est un moteur de 1600 ou de 1800, du coup, et ben on va devoir qu'ils démontent les bougies devant le magasin pour acheter exactement les mêmes. Ouais, son cousin il dit surtout quand vous repartez, surtout revendez le camion avant. Hein. Le ramenez pas en France celui-là. Bah moi je pense qu'au bout d'un moment on aura changé tellement de pièces que il sera bon hein. Je sais pas si vous allez bien nous entendre parce qu'on va bientôt rouler. Mais voilà, on a changé les bougies. Et là on se tente d'aller du coup un peu plus loin, bah, là où on voulait aller il y a 3 jours. Et où on est tombé en panne, enfin là on pouvait plus redémarrer. Donc on retente d'y aller, là il est 18h30 donc il est tard. On va sûrement arriver, il fera nuit. Donc aux limites, limite. Mais bon voilà, on n'a pas très envie de dormir dans Playa sur un parking quoi. Donc voilà. Allez, on croise les doigts. Et cette fois tout roule. De toute façon maintenant plus ça va, plus on apprend à se débrouiller par nous-mêmes. Et ma foi, je pense que c'est la meilleure des solutions. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon. Vous n'allez jamais me croire. On est en panne sur le bord de la route. D'après Valentin, c'est pas trop grave. On va aller voir. Il est en train de regarder. Ça s'est mis à pétarader sur la route. Bon, on est reparti. C'était juste un truc qui s'était la tête de Delco. Ouais. Bon, tout ce qui amène toute l'électricité au moteur, en gros, si j'ai bien compris.